vendredi 4 août 4 octobre 2019, au sommaire de cette édition, 241 experts spécialistes en passation de commandes publiques ont reçu leur parchemin dans le cadre de la formation dispensée par la firme internationale CETIM. C'est une initiative du gouvernement de la République du Bénin à travers le PAGIP, programme d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance, un projet financé par la Banque mondiale. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était en audience hier, jeudi 3 octobre 2019. Rémi Prosper Moretti a reçu deux hôtes à son cabinet. Il s'agit du ministre de la Communication de la Poste et de l'ambassadeur des États-Unis. Et puis le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Didier Tonato, est descendu tôt ce jeudi sur les chantiers du projet asphaltage que gère l'entreprise chinoise HNRB. Marouf Abiolas et Silas Zouni l'ont suivi. Et on verra leur compte rendu dans cette édition. Voici pour le Amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver en ce vendredi. Le Bénin a procédé ces dernières années à une profonde réforme de son système des marchés publics. Entre autres innovations apportées par le Code des marchés publics en vigueur, se trouvent les dispositions en faveur de la professionnalisation de la chaîne de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Pour rester conforme à ces dispositions légales et réglementaires, le gouvernement béninois, à travers le PAGIP, financé par la Banque mondiale, a fait former plus de 240 experts dans le domaine de la passation des commandes publiques. Une formation assurée par la firme CETIM International, qui a procédé ce jeudi 3 octobre, à la remise d'accréditation aux impétrants. Le compte rendu de Aliou Anthony et de Semia Yesufu. Une cérémonie de remise d'attestation aux accrédités qui peut paraître banale, mais c'est une cérémonie qui mène le Bénin vers un tournant, un point capital de la réforme du système des marchés publics. Ces impétrants, désormais des professionnels spécialistes de la commande publique en République du Bénin, reçoivent leur parchemin au bout de plusieurs mois de formation. Ils sont au total 241 récipiendaires, dont 162 accrédités en passation des marchés, 56 en contrôle des marchés et 23 en régulation des marchés. Je suis aussi content que vous puissiez avoir cette accréditation et ce diplôme. Et c'est tout à votre honneur parce que vous avez travaillé très fort pour l'obtenir. Et ça, je vous en félicite. Et ce diplôme vous donne des avantages, mais si je reprends nos amis acteurs, ce n'est pas un permis pour magouiller. Ce n'est pas comme un diplôme universitaire, c'est une accréditation qui a une durée limitée dans le temps. Et comme on a vu avec l'ARMP, il y aura une plateforme pour gérer les accréditations qui arrivent à échéance. Et donc le renouvellement va être soumis à des critères bien stricts, notamment le respect de l'éthique professionnelle. La professionnalisation du système des marchés publics vise à garantir la transparence des procédures, la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats au marché public. Et pour atteindre ces objectifs fixés par les dispositions légales et réglementaires en la matière, plusieurs postulants ont été choisis au sein et en dehors de l'administration publique pour ce renforcement de capacités financé par la Banque mondiale à travers le programme d'appui à la gestion des investissements public et à la gouvernance. Nous avons contribué à élever votre niveau qui était très bon, c'est vrai. Nous l'avons élevé pour que vous puissiez faire preuve d'efficacité et qu'on ne continue pas à dire qu'on ne peut pas consommer les crédits parce qu'on a des difficultés et que les gens n'ont pas les compétences requises pour pouvoir accélérer la consommation des crédits. Je crois que le problème aujourd'hui est réglé. Techniquement, nous avons des gens bons. Ça a été validé à l'international. Des certificats d'accréditation décernés aux impétrants ayant passé avec succès l'examen de fin de formation, des certificats qui habilitent leurs détenteurs à occuper des fonctions dédiées aux spécialistes de la commande publique et qui font donc la fierté du ministre d'État chargé du plan. Ces parchemins délivrés par CETIM International, loin d'être un permis pour la magouille, doit aider le Bénin à sortir des sentiers battus, de la passation, du contrôle et de la régulation des marchés publics. Dans les réformes importantes qui sont conduites dans le PAG, il y a au cœur, dans tous les secteurs, la lutte contre la corruption. Et tous ceux qui travaillent sur ce sujet vous diront que la corruption, c'est d'abord et avant tout les marchés publics. Et d'autres vous diront encore plus, partout où vous croisez les marchés publics et la politique, vous avez la corruption.
Et donc, il faut attaquer ces deux sujets, d'une part avec la réforme du système partisan. Et vous comprenez pourquoi le président Patrice Talon insiste beaucoup sur cette réforme. Et d'autre part, la réforme et l'approfondissement de la réforme sur les marchés publics. Et on ne peut pas réformer les marchés publics si on ne forme pas les professionnels de ce secteur, de ce domaine. C'est pour ça qu'avec le PAGIP, nous avons insisté pour que cette formation ait lieu et pour que ces certificats soient délivrés. Ces parchemins délivrés par ce team international, loin d'être un permis pour la magouille, doivent aider le Bénin à sortir des sentiers battus, de la passation, du contrôle et de la régulation des marchés publics. Audience ce jour à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti, a reçu le ministre de la Communication et de la Poste et l'ambassadeur des États-Unis. On écoute respectivement les propos du ministre Alain Sourou Orunla et l'ambassadeur Patricia Mahomet à la sortie de l'audience. Il a d'abord été question de la visite de courtoisie que nous devions de rendre à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication depuis notre prise de fonction. C'est l'autorité suprême de régulation des secteurs dont nous avons la charge dans l'exécutif et donc il était de bon aloi que nous allions nous présenter. Et fort heureusement, on n'est pas resté à une visite symbolique, nous avons abordé des questions de fond. C'est-à-dire que nous avons profité de cette opportunité pour rentrer dans ce que nous appelons les orientations que nous entendons donner à ce département ministériel, à savoir une professionnalisation plus accentuée donc des différents métiers de la communication et surtout des modalités de régulation de l'espace et du paysage audiovisuel afin que nous ayons une production de qualité. Il va y avoir un accent sur ce que nous appelons le renforcement de capacité parce que la production n'est pas encore à l'image et à la hauteur de ce que nous souhaitons. Donc nous voudrions pouvoir vous donner les moyens d'améliorer la qualité de ce que vous faites. Nous avons parlé également des défis que nous lancent les avancées technologiques que nous subissons, plus ou moins, c'est-à-dire le passage de l'analogique au numérique et donc les conséquences qui résultent de l'implantation de la TNT. Voilà les questions dont c'est une réalité, tout est presque bouclé et dans quelques jours, dans quelques semaines, les Béninois vont pouvoir avoir accès à ce bijou qui est déjà plus ou moins perçu par ceux qui en ont les moyens. Donc c'est une réalité que nous allons rendre perceptible dans quelques semaines. Tout ne peut pas être abordé, bouclé en une séance. Nous avons manifesté notre disponibilité à travailler main dans la main avec l'institution, sans accroc, pour le bien-être des usagers et de nos compatriotes. Nous avons échangé les vues au sujet de la liberté de la presse, qui c'est une valeur et un principe très important que nos deux pays partagent en commun, parce que c'est la base des démocraties fortes comme les nôtres. On va s'intéresser à présent dans la suite de cette édition à la descente du ministre du cadre de vie et du développement sur les chantiers de l'asphaltage. José Didier Tonato est descendu tôt ce jeudi matin sur les chantiers du projet d'asphaltage dans l'entreprise chinoise HNRB à la charge. Il s'agit en réalité du lot 10A qui prend en compte 18 rues à Abomey, Calavi et du lot 1A de Cotonou. Après avoir sillonné les rues, l'évolution des travaux n'a point impressionné le ministre qui a appelé la mission de contrôle et l'entreprise en charge du projet à beaucoup plus de sérieux dans le travail. Reportage Maro Fabiola Boussari et Silas Zouy. C'est une descente de mise en garde à l'endroit des missions de contrôle et de l'entreprise chinoise HNRB en charge des travaux des lots 1A et 10A du projet asphaltage. En réalité, ces deux lots sont les derniers en matière d'avancement sur les 12 lots actuellement en cours dans 9 villes du Bénin. Le lot 10A d'Abomey-Calavi qui prend en compte 18 rues est à 27% de taux d'avancement pour un taux de délai consommé de 55%. Ça ne bouge pas. C'est vraiment inquiétant. Nous allons prendre les décisions qu'il faut pour vous aider à avancer. L'hygiène que présente cette rue, qui a été la première à être visitée, n'a pas été du goût de l'autorité ministérielle. Rien que sur cet axe-là, HSE c'est zéro.
pour ce que j'ai vu jusqu'ici. Il faut vraiment mettre le chantier en sécurité et les riverains en sécurité et leur faciliter la vie. La délégation ministérielle a fait un tour dans l'unité de production de l'entreprise. Il ressort que les productions sont de très bonne qualité. Le ministre a souhaité que le même rythme soit adopté pour la pose des caniveaux. Et qu'on dépasse 280 par jour, par jour. José Didier Tonato a échangé avec les ouvriers qui, pendant son passage, se plaignaient de leurs conditions de travail. Le ministre les a rassurés de ce que les dispositions sont en train d'être prises pour résoudre leurs problèmes. Nous avons pris les choses en main, nous avons organisé une réunion avec la direction du travail pour que la gestion du volet ressources humaines, nous accompagnons l'entreprise à mettre en ordre tous les contrats et surtout à respecter les droits de chaque ouvrier. Ce qu'il faut retenir et que l'entreprise doit intégrer, c'est que quand les ouvriers ne sont pas contents, ça impacte également votre rythme de travail. Vous payez quelqu'un qui, pendant une journée, n'a pas le rendement qu'il faut, simplement parce qu'il n'est pas bien traité. Tout ça participe aux résultats que nous voulons. Et nous regardons tous ces aspects-là, y compris la gestion des ressources humaines. Après Calavi, cap a été mis sur Cotonou, sur le lot 1A qui prend en compte 11 rues. On note 43% de taux d'avancement pour un taux de délai consommé de 60%. Le ministre a constaté les imperfections sur lesquelles il a attiré l'attention de la mission de contrôle et de l'entreprise en charge des travaux. La plus flagrante est celle-ci, les riverains qui occupent anarchiquement les chantiers en cours. Pendant que vous travaillez, pendant que vous faites des plateformes, les gens jettent l'eau sur vos pavés, les gens sèchent les trucs, les gens viennent se mettre là pour faire leur lessive. C'est quel chantier ça? C'est-à-dire la bonne entente avec les riverains, c'est ça qui permet, c'est ça la compréhension du HSE. S'il faut, je dois arriver pour vérifier ces petits détails-là. Quand on a le dos tourné, qu'est-ce qui se passe? Oui, aujourd'hui, nous avons vraiment de l'oublier tout le temps, chaque fois quand on arrive. Nous avons la mission de contrôle et en plus on a des permanents. S'il y a un accident avec les bonnes femmes qui sont assises, s'il y a un accident là, maintenant, qui peut porter ça? Ils sont contents d'être là, mais ils vont vous reprocher, c'est vous la responsabilité, ce qui va leur arriver. Un engin ou quelque chose, on lui dit n'importe quoi. Ce qu'on a dit, organisez-vous, donnez les accès dans les maisons et tout, mais la séparation nette entre le chantier et la vie de tous les jours, il n'y a aucune concession à faire là-dessus. Au regard des défauts remarqués, le ministre met en garde la mission de contrôle et l'entreprise HNRB. Nous avons fini notre stock de mise en demeure. Maintenant, nous allons passer aux résiliations. Et donc, certainement également aux mises en régie. Je suis venu annoncer ça clairement à l'entreprise HNRB. Et je pense que la mission de contrôle aussi est informée que si, dans 2 semaines, pour l'entreprise, et d'ici le 11 octobre, pour la mission de contrôle, si les choses ne se passent pas bien, nous allons passer à l'attaque. Voilà l'objectif. Et donc sur le plan des objectifs, moi je suis satisfait. C'est différent de la satisfaction par rapport à l'avancée des travaux où nous voyons quand même Cotonou se transformer sous nos yeux. Nous voyons Calavi se transformer sous nos yeux et les autres villes également. Le projet Asphalta se révèle comme un projet véritablement structurant de l'environnement urbain et du développement de l'économie urbaine. Que ce soit à Calavi ou à Cotonou, la visite des chantiers s'est déroulée en présence du préfet Jean-Claude Kodia. À Cotonou, on note la présence du maire intérimaire Isidore Yanofou. Ils ont tous deux promis apporter leur soutien sans faille à la réalisation du projet asphaltage. Au cours de cette même descente, le préfet Jean-Claude Kodia et le maire intérimaire de Cotonou ont dit leur volonté d'accompagner sans réserve le projet jusqu'à sa réalisation. Ils ont même apprécié le suivi régulier que fait le ministre José Didier Tonato. Je vous propose ici de suivre un extrait de leurs propos. L'asphaltage, c'est un projet qui a été généralement bien monté, méthodiquement bien monté, et tout a été choisi. On n'a pas fait les choses au hasard. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis émerveillé devant ce qui se fait et qui va permettre vraiment à Cotonou de recouvrer son statut de ville vitrine du Bénin, où la mobilité urbaine est une réalité, où nous vivons dans une vie attrayante. Mais pour que cela se fasse et que nous aboutissions heureusement à ce qui se fait, je crois qu'il faut que les élus locaux s'approprient ce qui se fait. Et tout à l'heure, le ministre l'a souligné. Je crois qu'il revient
de contrôler, de suivre, pas pour venir s'il y a des biais, pas pour venir donc stopper, mais de remonter à qui de droit, ce qui n'est pas bien fait. Nous avons accompagné le ministre du K2B qui a décidé de visiter les différents chantiers pour apprécier l'évolution des 10 travaux. En tant que représentant des principaux bénéficiaires et utilisateurs, nous avons suivi et ensemble, nous avons vu qu'il y a encore certains dysfonctionnements pour lesquels le ministre a donné des instructions fermes pour qu'au finish, au bout du rouleau, nous ayons des travaux de qualité. Et par rapport à cela, nous projetons l'image de ce que la ville de Cotonou serait au terme de ces différents travaux. Nous avons pu mesurer la densité et la profondeur de ces travaux-là. Et nous espérons que d'ici, la ville capitale, comme les autres capitales de la sous-région, va recouvrer son vrai visage, un visage de métropole, un visage de première ville du Bénin où se déroulent toutes les activités économiques et politiques ainsi que sociales de notre pays. Donc c'est l'occasion, comme nous avons eu déjà à le souligner, de renouveler au nom des populations de la ville de Cotonou notre gratitude et notre reconnaissance au président de la République, le président Patrice Talon. Dans un tout autre volet, à présent, la librairie Notre-Dame de Cotonou s'est enrichie d'un nouvel ouvrage intitulé « Entrepreneuriat féminin et développement au Bénin ». La cérémonie de présentation s'est tenue hier dans l'après-midi. L'ouvrage de 159 pages expose les capacités entrepreneuriales des femmes et précise leur rôle dans leur secteur économique béninois. Le compte-rendu est signé Élie Adjiran. Accessible et écrit en français facile, l'ouvrage intitulé « Entrepreneuriat féminin et développement au Bénin » met en évidence le rôle primordial des femmes dans le secteur économique, mais aussi leur rôle capital dans la production de la richesse nationale. Paru en mars 2019 aux éditions L'Harmattan, dans cet ouvrage de 159 pages, subdivisé en 5 chapitres, l'auteur analyse l'efficacité des politiques publiques de promotion des activités économiques des femmes en matière d'auto-emploi. L'entrepreneuriat féminin constitue un facteur primordial pour l'autonomisation des femmes au triple plan social, économique et politique. Cette situation permet de changer les perceptions sociales à l'égard des femmes. Elles sont désormais moins vues comme le sexe faible, mais plutôt comme des actrices capables d'apporter une plus-value à la cellule familiale et par ricochet au développement de la nation tout entière. Appuyé et soutenu par la coopération Suisse, l'ouvrage préfacé par le professeur John Higge montre que l'histoire de l'entrepreneuriat féminin au Bénin remonte à la période du commerce caravanier. Depuis lors, de nombreuses stratégies sont mises en œuvre en vue de renforcer la formation des femmes, d'où l'intérêt de cet appui. Ceux qui tiennent les rênes de l'économie sont d'abord les femmes. Ceux qui font pousser la société sont d'abord les femmes. C'est ce que je retiens de votre ouvrage. Et ça, c'est extrêmement important. Il suffit d'un tour au marché d'Antokpa, un des plus grands marchés de la sous-région, pour nous convaincre du poids et de la puissance économique et financière des femmes béninoises. Ce pouvoir, longtemps bridé par la construction sociale des relations entre les femmes et les hommes, n'a pas empêché les femmes béninoises à porter à bout de bras l'économie nationale de la fin des années 80 jusqu'à la mise en place du renouveau démocratique. Voilà donc les raisons pour lesquelles la coopération suisse au Bénin a soutenu la réalisation de cet ouvrage. Fondée sur le positionnement des femmes à travers des activités économiques comme maillon important du secteur privé, l'auteur tente de répondre à la problématique « Quels sont les déterminants de l'entrepreneuriat féminin au Bénin et leurs impacts sur la condition de vie des populations ?» dans une démarche pluridisciplinaire au carrefour de l'économie, de la sociologie et de l'anthropologie. J'ai voulu montrer le rôle des femmes dans l'économie béninoise, un rôle qui est méconnu. Un rôle qui semble être caché
alors qu'il est là, qu'il est reconnu dans les ménages et qu'il n'apparaît pas dans le discours, aussi bien dans le discours des politiques, aussi bien dans le discours des acteurs de développement. On a tendance à présenter les femmes dans leurs activités en les regardant comme des micro-activités qui n'ont pas vraiment d'importance. Mais à travers cet ouvrage, j'ai voulu montrer que même si c'est 15 000 francs de revenus par mois, ça a son importance. Un dernier élément avant de clôturer cette édition. La permaculture est une technique agricole basée sur la valorisation de l'écosystème en vue de promouvoir l'ensemble de l'espèce naturelle existante. C'est aussi une méthode systémique et globale qui consiste à concevoir des systèmes en s'inspirant de l'écologie naturelle. Marlène Nitoubé, agricultrice pratiquante de cette culture, nous en dit davantage. La permaculture, déjà comme le nom l'indique, c'est un système qui est permanent et qui agit avec la nature. L'un des principes de la permaculture, c'est agir pour la nature et non pas contre elle. Donc, il faut agir pour la nature, il ne faut pas agir contre la nature. Et la permaculture, c'est une idéologie, une philosophie de vie, mais qui se résume parfaitement dans la vie concrète, qui se traduit concrètement, qui ne reste pas au stade de philosophie ou de rêve vaseux ou d'idéologie qu'on ne peut jamais atteindre, pas du tout. C'est en même temps un style de vie qui se veut être entièrement connecté à la nature parce que, comme nous le savons tous, la base, c'est la nature. C'est elle qui porte l'être humain, l'être vivant en général, si on veut s'étendre aux animaux et tout, de la chaîne. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble-là qu'on entend sous le thème permaculture. Si je prends, par exemple, le paillage, parce que le paillage, c'est aussi un système très utilisé en agroécologie pour conserver l'humidité des planches pour les cultures. Donc nous, on utilise les pailles qu'on a apportées de main. Ça peut être le chien dent parce qu'on en a à profusion. Le chien dent, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une herbe indésirable. C'est pourquoi aussi en permaculture, on ne parle pas de mauvaises herbes. Je sais que généralement, les gens utilisent les herbicides pour tuer tout, oubliant que ça tue le sol, ça tue tous les micro-organismes qui sont contenus dans le sol, etc. L'idée, c'est vraiment de transformer. C'est comme si on vous demandait de transformer une faiblesse en une force. Généralement, c'est possible. Et c'est souvent, c'est parce qu'on se dit tellement que ce n'est pas possible qu'on n'envisage même pas ça. Donc, au lieu d'utiliser les herbicides dans les champs ou dans les jardins, on peut tirer profit de ces chiendents-là, juste laisser l'espace en jachère et puis utiliser le chiendent pour pailler parce que le paillage, c'est vraiment important pour les planches en agroécologie. Le premier avantage et l'avantage pour moi le plus capital, c'est que c'est cette harmonie-là que vous créez entre vous et la nature, entre vous en tant qu'être vivant, faisant partie de la nature et profitant de tout ce que la nature vous donne. Cette harmonie-là qui fait que vous, la nature vous donne et vous recevez, mais en même temps, vous devez lui retourner ce qu'elle vous a donné en prenant soin de la terre, en prenant soin de tous les éléments de l'écosystème. Fidèles téléspectateurs, ce sera tout pour cette édition de nos informations de la mi-journée sur ETélé. Bonne suite des programmes de votre chaîne, la chaîne de l'excellence. Si vous nous avez suivis, merci. Mais sachez que le prochain rendez-vous avec moi, ce n'est pas demain, mais lundi qui vient. Lundi, lorsqu'il sonnera 13h, nous prendrons le rendez-vous pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon appétit à vous et à bientôt.